Chambériennes, Chambériens, au terme de cette année 2015, particulièrement difficile sur le plan international, sur le plan national, mais aussi sur le plan local compte tenu de notre situation financière, nous avons désormais les yeux braqués sur 2016. Permettez-moi, au seuil de cette nouvelle année, avec les membres de l'équipe municipale qui m'entourent, de remercier d'abord les collaboratrices et les collaborateurs de la ville qui, tout au long de cette année écoulée, ont tout mis en œuvre pour vous apporter la meilleure qualité de service qu'ils pouvaient faire. Nous voilà au seuil d'une nouvelle année. Le temps est donc de se braquer sur les nouveaux projets. Immédiatement, dans les heures qui viennent, la nouvelle EHPAD de Bissy accueillera une centaine de personnes âgées. Je suis heureux pour ces familles à qui l'encadrement, l'accueil, l'accompagnement de personnes âgées était un poids. Nous allons, à notre niveau, contribuer à améliorer leur quotidien. Nous allons, au cours de cette année, augmenter le nombre de places en crèche. C'est une attente très forte des jeunes mères de famille. Nous voudrons aussi conforter le dynamisme et le positionnement de notre ville, en particulier sur un secteur porteur d'avenir qui est celui du numérique et de l'économie numérique. En effet, l'informatique permet aujourd'hui non seulement de rationaliser un certain nombre de choses, mais permet d'offrir de nouveaux services, permet une nouvelle économie. Nous avons vocation, compte tenu de notre place au cœur des Alpes, à porter cette dynamique, à faire de Chambéry une ville qui soit complètement dans son temps, en connexion avec le reste du monde. Et puis, 2016, ça sera aussi au cœur de l'été, la découverte d'un nouveau plan de transport, de circulation et de stationnement, engagement fort que nous avions pris devant vous, puisque le schéma actuel date de 1978. Nous voulons à la fois rationaliser, dynamiser notre ville. Nous le rationaliserons avec un réseau de transport plus cohérent. Nous le dynamiserons également avec un réseau de parking organisé en fonction de vos attentes. Cette année 2016 sera aussi marquée par un programme plus fort vis-à-vis de nos écoles, programme de travaux, mais également mise en place complète du temps d'accompagnement de l'enfant, car nous savons bien que l'école est un élément essentiel de la vie, que c'est un point de départ pour chacune et chacun d'entre nous dans son futur. Nous multiplierons également pour cette ville les temps d'animation en essayant de faire de ces animations des temps de rayonnement pour l'ensemble de la ville, une fierté des Chambériens, mais aussi un attrait pour les gens venant de l'extérieur. Chambérienne, Chambérien. Au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, je vous souhaite une bonne année 2016. Je souhaite aussi un nouvel élan pour notre ville.